avait un grand tzaddik qui avait imprimé des livres. Et dans les livres qu'il avait imprimés, dans les livres, il y avait des pages blanches. Donc il avait volé les gens qu'il avait vendus des pages blanches. Ça s'appelle du vol. Moi, je veux acheter un livre où c'est rempli, mais il y avait une faute d'impression. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, il va pas dire, ouais, c'est pas de ma faute. C'est pas... Moi, je l'ai vendu, c'est moi le problème. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? En français? En hébreu. Non. Sur Shabbat, tu vas voir. Non, non. Bon, allez, c'est une histoire. Mais Kitsour, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Kitsour, et qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Parce qu'il a vendu à des gens qui ne savent pas c'est qui ces personnes-là. Il en a vendu plein. Qu'est-ce qu'il a fait? À Yerushalayim, il a donné à la Iria, comment ça s'appelle, à la ville, il a donné à Yerushalayim plein de bancs à mettre dans les rues. Pourquoi? Parce que comme ça, il est sûr que si il y a quelqu'un qui s'assoit. Voilà. Donc il n'avait pas fait exprès de faire les pages blanches. Non, il n'a pas fait exprès, mais ça s'appelle du vol. Ah, pour le, tu vois, c'est jusqu'à là que ça s'appelle du vol. Ouais, ouais. Moi, j'ai vendu quelque chose où il n'y a pas le truc. Ouais, c'est le mec qui avait un chalet en dessous. Mais oui, donc il a dit, je donne. Et à Yerushalayim, vous pouvez voir, il y a plein de bancs. Et il y a écrit en bas, c'est qui le donateur. Ah, et vous pouvez voir le monsieur, Mamash, qui a donné ça il y a 20 ans. Pour si un jour j'ai fait quelque chose du mal. Et ben d'ailleurs, le Hafetz Chaim, par exemple. Le Hafetz Chaim, il a écrit le Mishnah Brura. Le roi, c'est un livre sur le Shulchan Aruch, il explique. Le Rav Etzraïm, il ne vendait pas un livre, c'était lui qui l'a fait sortir. Il n'avait pas un livre s'il le feuilletait en entier pour voir s'il manquait rien. Et sur chaque page, il faisait un V comme ça, comme quoi je l'ai vu. Et aujourd'hui, tu peux acheter le Mishnah Brura première édition, tu vois que dans tous les Mishnah Brura, il y a le petit V que le Rav Etzraïm a fait, page par page, pour voir qu'il ne manque pas de... aucun truc, tellement il avait peur du vol. Parce que c'est des choses qui sont très 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 graves.